Eh bien salut à toutes et à toutes, c'est PsychoTwin et aujourd'hui on se retrouve, enfin, et maintenant, putain encore, pour la troisième game de l'event 2, numéro 2. Donc c'est la troisième game du deuxième event. Donc, alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, un mec que j'aime déjà, toi je t'aime, non seulement parce que tu as pris Darius et que je voulais voir ce skin de Darius en jeu, donc bisous, si tu regardes la game, bisous. Ouais, quoi, je suis pédé, je ne suis pas gay, je suis joyeux. Bref, une luxe aussi, perso que j'affectionne tout particulièrement. Ezreal Pulse of Fire en botlane avec Biskrank, botlane très agressif, très pokable, enfin très pokante et très très bien. Et Karim en jungle, ah, si tu gères bien, franchement, il y a moyen de faire les carnages. Thresh MF, Thresh MF en bot. La botlane risque d'être très animée. Le jungler, Lee Sin, aussi très mobile, ça fait plaisir. Diana en mid pour me consoler de ma game d'avant, montre-moi du skill en Diana s'il te plaît. Et Riven en top encore une fois. Alors, c'est parti, on lance la game. Alors, Darius, Juan... Oh, il est beau. Ah, je bande. Je crois que je vais me l'acheter. Oh. Attendez, je bande. Psycho, on va te faire bander. J'espère. Bah, c'est déjà le cas. Ah, il est beau, putain. Ah, j'y réfléchirai. Bah, faites-moi bander, ce qui est déjà le cas, notamment vu la première game. Bon, j'ai un peu ramolli en faisant la deuxième, hein, je dois vous avouer. Bref, j'espère que je vais redurcir maintenant. C'est dégueulasse. Je suis désolé, c'est dégueulasse. Bref. Ah ouais, carrément, pas confiant, la luxe. Pas confiante, pas d'invade qui se prépare. Un préparation, Blitzcrank et Thresh qui ont full stuff. C'était là, Marielle. Tu combattes ? Pardon. Ah, ça risque d'être une game intéressante ou un stomp total. Hein. Mais j'aimerais bien que ce soit équilibré, mais que ça dure pas trop longtemps. Parce que je commence un peu à m'essouffler, même si j'ai pris de l'ice tea. Je suis désolé, mais je suis pas un commentateur hors pair qui s'est fait pour commenter toute la soirée. Mais bon, je vais essayer de faire mon mieux pour vous offrir la meilleure qualité que ce soit. Bon, on commence à la Doran. Ah oui, attends. Ah, j'ai dit ça. Voilà. Well, like a boss, like a pro et tout, petit. Qu'est-ce qui prépare la botlane là? La botlane prépare un truc chelou, des rouges, hein, bien sûr. Excusez-moi, s'il y a des moments de blanc, c'est que je bois de l'ice tea. Tout simplement. Je trouve pas les bonnes vieilles habitudes. Mais sinon, tout classique, hein. Lee Sin qui commence au rouge, et Karim au bleu. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. La ward de 1 minute qui a été placée pour Thresh, je remarque. Oh la vache! Ah ouais, ils sont pas confiants. Ward de 1 minute. Ward. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais on sent que les rouges sont pas en confiance dès le début. Oh, grab directement d'en bas avec un flash. Une fatigue qui était claquée. Pour l'instant, rien de grave. Oh, le Darius. Oh non, Darius, t'as pas intérêt par contre à foirer. Hein. Quoique contre Riven. Intéressant quand même. Je veux juste savoir si le Thresh a grillé son flash. Non, il n'a pas grillé son flash. Lux, si tu restes à de bonne distance sans te faire toucher par les roucoulettes, tu la défense. Et Darius, tu ne me déçois pas. Tu es obligé de pas me décevoir. Je refuse. Mais ce skin est vraiment joli. Hein. J'hésite à me l'acheter. Bref. Alors, pour l'instant, rien d'exceptionnel. Oh, le grab qui est effectué nouveau grab. Voilà, il s'entre-grab, c'est la fête. Barrière qui est caquée de la part. Putain, faut que j'arrête avec les deux la part. Oh, le fou. Oh, le fou. Le premier 100k. Oh là là. Alors, récapépète. Premier 100 qui est pris sur qui est pris par Ez sur Thresh. Miss Fortune qui a pris la vie de Ezreal. Oh oui, magnifique. Oh oui, vous me faites bander. Oh là là, la vache. Oh là là, oh, c'était tellement beau. Oh là là, je bande. Ça y est, c'est fait. Donc, net avantage du coup pour les bleus qui prennent déjà un cagol dès le début. Le Darius qui a pris un kill. Lee Sin qui a bien trop grid sous la tour. Ah, attention, ça touche.
Ah, ça touche là aussi, mais si t'as pas le niveau 6, c'est moyen. Alors là, la botlane, vous voyez, je suis en érection complète. Non, je déconne. Non, mais franchement, c'était un très joli move. Franchement, bien joué. Là, je dois avouer que c'était magnifique. Excusez-moi. Le repas du soir qui remonte. Bref. Alors, franchement, bien joué. Là, le grab sous la tour de la Miss Fortune avec le Hecarim qui vient derrière. Sachant que le Ezreal avait pris le First Blood. Donc, même s'il s'était fait tuer derrière, c'était worth it. Alors, franchement, bien joué. Là, franchement, c'était du beau move. Bon, le Darius, il a pris un kill sur du grid à fond. Mais ça, c'est pas grave. Il a quand même pris un kill, c'est important. Et il va commencer à faire mal sur la Riven. Conseil Darius, ne prends pas un sceptre abyssal dès le début. Un sceptre vampirique, pardon, dès le début. Prends plutôt un brut. Brut. C'est le Bruta, c'est bien. Sur Darius, dès que vous avez un Bruta, mais vous faites dommage de malade manteau, quoi. Ah. Et bim, le grab, allez direct, prends un coup de tour. Ça, et voilà le kill qui est pris par Ezreal. Magnifique grab de la part. Putain. Je suis vraiment désolé, j'arrête pas de dire de la part depuis tout à l'heure. Je m'énerve, j'arrive pas à m'en débarrasser. Vraiment bien joué. On retrouve du bon blitzcrank encore. Hein. Il y a du beau au jeu. Il y a du beau au jeu. Ça joue bien. Franchement, la botlane, je vous ai dit que la botlane allait être animée. Et déjà presque 2K gold. Oh, ça se trouve, ça va être un stomp total. Hein. Ça va faire comme le premier event. C'est une game très serrée au début. Une Aram qui était plutôt serrée normalement. Bon, à part la RAM, ça a été un stomp aussi pour la troisième game. On va voir, rien n'est joué. Hein. Je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, faut pas déconner. Bien joué, ça. Oh oui, ça s'enchaîne derrière, il faut suivre. Et là, l'ulti qui est craqué de Diana sur Hecarim, est-ce que ça. Non, ça va rien aboutir. La botlane est encore agitée, la MF qui se fait complètement défoncer, elle se fait grave à mon avis. Le trash qui fonce dessus aussi, ça va n'aboutir à rien du tout. C'est dommage. Beaucoup d'action à cette game, j'aime. C'est pas comme la première game où c'était très passif au début, et ensuite il y avait de l'action. Là, il y a direct de l'action, j'aime. Like, poke, retweet. Voilà, je vous aime. Ah, attention, trash, qu'est-ce que tu fais? Bon, bah, tu vas mourir. Oh, le Ez, ah non, là, c'est le Blitzcrank qui a pris le kill, il en a besoin. Ah, le Blitzcrank qui carry, 2-0-5, il carry complètement. Mort pour une noire. J'avoue, c'était pas très worth it. Ah, voilà, c'est ça qu'il faut faire avec Darius. Tu mets hop, un ou deux petits tourbilol par-ci par-là. Par contre, faut faire gaffe là. Ouais, non, ça passera pas. Oh putain, elle fait de lourds dommages quand même, la Riven là. Grab. Ah, vous voyez, dans ces cas-là, faut faire votre grab. Parce que pendant une seconde, ils peuvent rien faire. Vous voyez, il aurait pris un coup de tour en plus. Vous auriez pu mettre un coup de tour, un coup en plus sur le Lee Sin. Il aurait pu prendre le kill sur le Lee Sin rien qu'en le grabant. C'est vraiment con. Petite astuce à prendre quand vous êtes pas loin de la tour et qu'ils sont derrière vous, vous le grabez. Et je peux vous dire, ça peut soit vous sauver la vie, soit vous faire un trade kill. Franchement, c'est un bon conseil que je peux vous donner en Darius. Bref. Allez, vas-y, grab. Allez, ça te suffit pas. Oh là 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 là, la bot lane qui feed, un truc de fou. Eh, quoique, ouais, il est niveau 3, le trash là. Voilà, ça va être dur pour la bot lane. Oh non, mais en plus, ils sont chanceux. Oh! Ah, le kill quand même qui est pris sur Blitzcrank, mais là, là. Voilà, il s'amuse là. Oh, attention! Doucement. Tu joues avec le feu, mon petit. Attention au mid, ça s'affronte aussi, mais ça va. Non, c'est tranquille. Elles se font des caresses. Celui qui met un commentaire désobligeant, je le fume. Bref. Putain, il se prend deux niveaux le Darius. Darius, tu me déçois. Pour l'instant, tu me déçois. Voilà. Tu n'es pas digne d'un Darius. C'est vrai. Par contre, je peux reconnaître contre Riven, c'est dur. C'est vraiment dur contre Riven. Déjà 2K gold. 2K gold, presque 5 d'écart qui ont été pris par les bleus. Ça commence à faire mal quand même. À 8 minutes de jeu, c'est vraiment beaucoup, hein, franchement. Allez, la cage qui touche pas, hélas. Il y avait juste l'écart derrière, du coup, qui va s'en aller les mains vite. Voilà, les mains vides, pardon. Du coup, je parle et je bois de l'ice tea. Et oui, ça rend la bouche pâteuse. Il y a un moucheron qui me fait chier. On en avait rien à foutre. Qu'est-ce que c'était? Je rêve ou... Ah non, je croyais que Thresh avait ulti dans le vent. Pas du tout. Le Darius qui ne se sent pas du tout en confiance. Mais genre vraiment pas. Oh là là, quelle vision du jeu. Il est noir ou quoi? Non. Bon bah, belle vision du jeu de la part de la Lux. Hein. Pourtant, c'est pas en stream. Hein. Elle peut pas stream hack.
Mais il y a 3 minutes de décalage, donc même le stream hack est impossible. Alors, bon, oui, il est niveau 4, le très cher. Ah là, par contre, attention, ah, joli ça. Ah, je sais pas si vous avez vu ça. Il a mis la lanterne pour ramener le Lee Sin. C'était magnifique, franchement, joli move. On a du beau move. Je vais faire un top 5 lol, rien qu'avec Stoic Jane, vas-y. Non, franchement, joli move. En bot lane, il y a du très beau move qui s'effectue. GG à vous, m'impressionnez, franchement. Ah, attention, le Lee Sin qui est un peu vu là, qui se fait prendre à partie par le Karim, mais ça veut rien dire. My name is Insec. LOL. Expliquez. Bon. Alors, sandale de mercure sur Karim. Bah oui, ça marche. C'était Karim. Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, en top, ça s'affronte, ça se fait latter la gueule. Darius, tu me déçois. Je me déçois, mais apparemment, ça va pas. Il va pas se faire tuer. Le gank. Ah, le surchar. Ah. Alors, récapépétons. Le tower dive qui a été effectué par Riven et qui a pris la vie de sa grande épée qui a pris la vie de Darius et quand même malgré ça MF qui meurt sous les coups de Ezreal je crois hein. Attention il arrive comme un char. Attention ici il faut pas déconner, faut partir. Vous êtes pas en bonne position. Et là, la Riven qui prend vraiment l'ascendant. Le Darius qui a besoin d'aide, c'est vraiment dommage. Hein. Parce que Darius, normalement, c'est pas censé avoir besoin d'aide. Mais je reconnais avoir eu des difficultés dans le passé contre Riven en étant hein, Darius. Il est vrai. L'ulti complètement foiré de Ekarim. Mais là, vas-y, tu peux faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose, Ekarim. Vas-y, balance. Allez, tu peux le faire. Fonce, cours, vol. Oula. Oh là là, la Riven, le move. Attention, il y a le Darius, il y a le Darius, ah non. Et pendant que ça s'affronte en bas, et le Lee Sin qui est venu en fond pour prendre la vie du Blitzcrank, l'Ezreal qui part avec son bleu entre ses jambes. Le Darius, c'est dommage, il aurait pu prendre sa vie, la vie de Riven, et je vais arrêter aussi avec ça. Riven qui va back safely, mens sous sa tour, Darius qui n'en a pas fini peut-être, non, il abandonne finalement. Et le score qui remonte. Donc du coup les bleus qui sont en moins bonne position. Attention Lux, qu'est-ce que tu fais? Attention. Ah le kick qui va peut-être lui sauver la vie. Elle prend un kill quand même. Flash out. Est-ce qu'elle va arriver à s'en sortir? Là faut balancer une cage de génie, un bouclier. Oui, ça va te sauver la vie ma cocotte. Non là par contre faut te barrer hein. Faut laisser tes copains faire. Voilà. Pendant ce temps-là, Diana se fait défoncer. Le flash in carrément. Boum. Le kill pris avec l'ulti de Ezreal. Bien joué. Ah, l'écart qui se recreuse. Deux cagoles, oui. Deux cagoles toujours qui se maintient. Par contre, ça se maintient. Ça n'est pas allé en montant. Donc, ça veut dire qu'il y a eu du mieux pour l'équipe des rouges. L'équipe des rouges qui a encore ses chances. Attention, le Darius qui se fait défoncer. Le Karim qui arrive en backup. Attention, elle tente. Le tourbillon, je te dis le gras. Voilà. Oh là là. La Riven, il va se faire un doublé. Ah, dommage, ça aurait pu donner un doublé. Le S qui va se faire des... Non, le renfort du support qui est là. Il est présent. Vas-y, poc. Ah, il arrive à s'enfuir, tranquille. Ça va rien donner. Ah, le grab quand même sur le Blitzcrank. Le poc incessant de la part du Ezreal. Ah, le Blitzcrank qui est dans la tournante et qui se fait tuer finalement par Miss Fortune. Boum! Et voilà l'interruption de la part de Lux qui lui a mis un gros laser dans la gueule. Le laser de Lux qui ne fait jamais du bien. Du bien, oui, j'allais dire qu'il ne fait jamais mal. Non, il fait toujours mal. Et j'ai fini mon ice-tea, c'est une catastrophe. Quoi, on s'en fout de ma vie. Oui, alors. Attention, là, le counter du blue. Et Lux, il faut regarder ton écran, tu sais, pour jouer. Ah, là, par contre, là, il y a le Karim. Ça va être compliqué. Le Karim qui revient direct avec son ulti, en mode rien à foutre. Et bah, là, c'est si t'as pas une petite ward dans ton... Bah, t'es mort. Voilà, tout simplement, le passif qui proc de la part de Lux. Et là, c'est pareil, Diana qui va se faire enchaîner. Non, ah non, même pas. Franchement, voilà. Il aurait vraiment pu enchaîner sur la Diana. Le Karim qui a quand même de bons dommages. Hein. Malgré qu'il est soit à 0-4, il fait de bons petits dommages en continu. C'est pas mal. Niveau farm. En bot lane, c'est relativement équilibré. En top lane, il se fait défoncer. En mid lane, Diana se fait défoncer.
En jungle, c'est équilibré. Et je fais tout ça. Je cherche une rime en et. Et je fais rimer, voilà. Oh, ouais, trop de skill. Trop de skill dans ce monde. Et je vais fermer ma fenêtre parce qu'il y a des moustiques. Bref, on s'en fout. Voilà, je tape sur mon bureau aussi. Ah là, le Karim, le gank, mais attention, là, elle est tellement feed, la Riven, qu'elle peut vous prendre à deux contre un. Quoique, il y a un Darius, hein, faut pas déconner. J'ai pas vu encore de Nine de la part du Darius. Ça ne me plaît pas. Donne-moi du spectacle, bouffon. Non, je déconne. Je veux du spectacle de ta part, Darius. J'attends mieux de toi. Non, là, il y a une ward. S'il y a un creep qui te suivait aussi loin, c'est qu'il y a une ward. Donc, j'attends mieux de toi, mon petit Darius, mon petit Dada. Déjà que tu as un joli skin. Oh là là, oh là là, où le jungler et le mid qui viennent aider le top, je ne sais pas pourquoi. Ça va faire mal si ça donne sur un engagement. Un engagement, vas-y, moi trop bien parler la France et tout. Un engagement, et là c'est parti, ça y est, c'est parti, mais il n'y a pas la Diana qui suit, et là c'est sous la tour. Oh la vache, les dommages de la Riven! Oh mon dieu, c'était infâme! La Riven qui a plus de la moitié des kills de son équipe, il n'y a plus qu'un Kaggle d'écart. Oh le magnifique grab en bot lane sur le Thresh. Allez, allez, faut continuer de taper. L'ulti qui a craqué. Mais la vie de Thresh est prise quand même. Vas-y, récupère ton âme dans ta propre lanterne, bitch. Là par contre faut se fight, faut se fight. Oh le doublé. Oh le doublé, je le sens. Oh je le sens dans ma peau. Non. Nine. Oh la barrière. Bravo. Magnifique Ezreal, magnifique. C'était beau. La Lux qui tient tête à la Riven malgré tout. Mais par contre, il y a la Diana là. Faut faire gaffe. Faut se prendre son bâton et se barrer. Voilà. Oh, je suis sous la tour. Ça peut faire mal. Ça peut faire très mal. Elle fait pas l'enchaînement. Ah, le proc du passif. Oh là là. Franchement, vous me vendez du rêve. Vous êtes géniaux. Psycho, t'as vu mon 5 fois Q? Le cul. Ah bah oui, bah ouais, non mais Riven. Hein. Riven, voilà, c'est. Oula, je sais quoi. R. Puis peut-être de temps en temps E aussi, puis de temps en temps S. Ah là, je change de perso. Voilà. Maintenant tu te démerdes, caméra dirigée. Voilà, ah non, merde. Fu, voilà. La caméra dirigée va revenir dans 3, 2, 1, 0. Voilà, bon, il n'y a rien d'intéressant. Ah, il y a une tour qui a été prise chez les rouges. Ah oui, en top, je suis con. Darius, c'est con, hein. Franchement, j'attendais mieux de ta part. Je le redis encore, et c'est pas facile contre une Riven. T'es pas tombé sur le meilleur. Il nous fait du Blue Ez, qui est très à la mode en ce moment. Non, il ne se fait pas du Blue Ez. Et Ezra, la Trinité, à l'ancienne. À l'ancienne, normalement, c'est Esprit de l'Ancien Lézard. Contre les gelées. Manamune. Et dernier souffle, Trinité, un truc comme ça. Mais là, la Trinité direct first. Ou non, plutôt soif de sang à la fin, pardon. Soif de sang ou Dancer Fantôme ou l'âme d'infini, n'importe. Non, pourquoi pas, oui, il revient aux sources. Effectivement. Oh, le Darius qui se prend une dose monumentale. Mais j'ai remanié mental. Allez, enchaîne. L'ulti. Poum. Et voilà, bien joué. Là, tu peux enchaîner bien plus vite, tu fais AER et puis ça part tout seul hein, chez Lux. Et pendant ce temps, le Thresh qui va se faire défoncer aussi. Malgré le feed de Riven, les bleus qui quand même dominent la guerre. Allez, un 9 là. Là, tu lui fous un 9. Ah, il a pas eu le temps de mettre le 9 et du coup c'est. Ah, non, pas doublé. Oh, quelle belle gestion de la part du Hecarim. Pendant ce temps, la Lux qui prend le kill de avec l'aide de la botlane sur la Diana. Bien joué, bien joué. Et 4 kills qui ont été faits d'un coup par rapport à 1. Ils ont le temps de faire un break. Vous avez le temps. Allez, go, go, go. Voilà. Voilà, ils m'entendent. Je suis fort. Je suis fort. Par rapport à un kill qui a été pris en face, franchement, bien joué. Oh, il y a du beau move. Du beau move. Oh là là, ça va se ressentir dans le titre, ça. Ça va se ressentir dans le titre, ça. Que du beau move. Bien joué, franchement. Ça joue vraiment très bien chez des deux côtés. Hein. Des deux côtés, ça joue vraiment très bien. Ah, par contre, il y a 4 kagol d'écart quand même. 4 kagol d'écart. Pourquoi? Oh là là. Oh la luxe. Oh la luxe. Oh mon dieu, la luxe, quoi. Ah non, mais allô, quoi, la luxe, quoi. Non, mais regardez son farm, quoi. 6-0, la luxe. Elle est encore plus fit que la Riven. Ah ouais. Alors en fait il y a un gros feed dans chaque team qui a bien plus farmé l'une que l'autre.
Mais alors, où se passent les quarts de gold? Ouais, enfin, il y a des kills, mais quand même. Ah, par contre, là, sous la tour, c'est pas une bonne idée, Blitzcrank. C'est pas une bonne idée, tu vas succomber dans d'atroces souffrances. Perdre des coups de tour. Il y a moyen de se faire un petit kill, là. Là, l'ulti, l'ulti. Allez, l'ulti. L'ulti, l'ulti. Non, bah non, pas ulti. La tour du mid, en ce temps, qui va tomber si ça continue comme ça. Non, et Karim qui arrive en backup. Ta-ta-da-da. Here I come to save the day. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez, bon, bah, c'est complètement ça. Hein. Save the day, là. Allez, ulti, ulti. Pouah. Et voilà. C'est beau, Lux. Je t'aime, Lux. Je t'aime. Je t'aime. Je fais de la merde. Mais non, tu fais pas de la merde, quand tu joues bien. Pouah. Ah, dommage, dommage. Allez, bam, voilà. Oh. Oh la vache, j'avais pas remarqué le SAL qui est légendaire. Allez, légendaire. Oh là là. Tout 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 tout. À genoux, à genoux. Allez, à genoux, à genoux. Ah, pense à ça. Pom pom pom. Pardon, excusez-moi, je m'emporte. Mais il y a tellement de beaux moves et de feeling de la droite à gauche. Regardez, la Riven, boum, feed, la MF qui est pas mal non plus. Boum, le Ezreal qui latte des culs à tout le monde. Boum, ah non, dommage. Et la Lux qui latte tout le monde, qui fait des scènes lesbiennes à ses ennemis. C'est un truc de fou, que ce soit à la Diana, à la MF ou à la Riven, ça se transforme en scène pornographique, moi je vous le dis. La MF qui va finalement s'en tirer, l'écart de gold qui s'écarte en... Oh putain. Et je viens de dire lesbienne juste avant. Qui continue de s'aggraver, pardon, pour les rouges, puisqu'il y a 6K gold. 6K gold en faveur des bleus. Et oui. Il y avait le stuff. Le Darius. Soif de sang. Non, tu fais pas une soif de sang sur Darius en first. Non, je refuse. Déjà, tu fais des boots au moins. Grab dans bots. Bah là, inutile de vous dire que s'il flash out pas. Eh ben, il est mort, voilà, légendaire. Merci de m'avoir donné raison. J'ai eu peur au bout d'un moment. Et en plus, Lux a pas tellement d'AP que ça, quoi. Ah, 208, quoi. Bon, oui, bon, en bot, c'est un viol. Hein. Intercidé. Ah, par contre, là, il y a la Riven. Ça va être plus compliqué. On va voir ce que ça donne. Ah, non, là, le Blitzcrank qui va quand même mourir. La Riven qui poursuit. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est quand même. Là, il va s'en tirer. Mais je voulais dire sur Darius, tu fais un couperet noir au début. Tu fais un couperet noir. Ou fais un dernier souffle pour le Loz, même si ça sert à rien. Mais tu fais genre après. Ouais, soit maillet gelé. Ouais, soif de sang, c'est pas mal. Oh, ah, dommage. Dommage. Mais là, le Ikarim qui va foutre la merde. Mais ça suffira pas. La Riven qui fait beaucoup trop dommage. Ah, la Luce qui vient pour prendre les kills derrière. La Luce qui peut donner à quelque chose. La Luce, regardez, qui est juste derrière là. Allez, 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 allez. Et l'ulti. Là, il se... Ah, dommage. Joli de la part de la Riven. Mais est-ce que ça suffira? Est-ce que les spells sont revenus de la... chez la Luce? Mais il y a quand même le Ezreal qui tape aussi derrière. Ezreal, qu'est-ce que tu fous? Voilà, tu l'as tué. Bien joué, c'est magnifique. Allez, faut la tuer. Ah, faut la tuer. Faut la tuer. Va se faire un doublé. Non? L'interruption pour la Riven à 500 gold, elle avait pas besoin de ça. Elle avait pas besoin de ça, la Riven. Mais il y avait encore du magnifique move. Mais vous me vendez tellement de rêves. Bon, par contre, ça... par contre, Darius, non. Oh, flash out. Ah, il flash out, mais il revient après. C'est marrant, ça. Par contre, oui, je sais qu'il est pas fit, Darius, mais faut pas déconner. Allez, bye. Voilà, voilà, c'est ça qu'on aime. Oulou, c'est ça qui est bon. Excusez-moi, j'ai du mal à me retenir quand je vois Darius qui dunk. Qui dunk around. Non, c'est jump around normalement. Well play Riven, ouais, c'est vrai que Riven joue bien. Mais Darius, tu es dans la tournante. Ah non, c'est une très mauvaise idée. Allez, balance tout. Yeah, bah voilà, même pas besoin de l'ulti. Mais elle l'avait pas de toute façon. Oh là là, il y a tellement du rêve de balancer. Bon, le Darius qui m'a... Non, il joue avec lui. Regarde ce troll. Ah, c'est magnifique. Magnifique, Riven, je t'aime. Darius, je t'aime pas. Non, je suis désolé. Je peux comprendre contre Riven. Bon, je vais pas m'étendre encore sur ce sujet. T'aurais eu des boots aussi, hein. Voilà. T'avais ton flash. Non, il l'a craqué apparemment. Oh là là, le S qui commence à faire mal, quoi. Un S à l'ancienne, ça fait toujours mal, de toute façon. Oh, faut finir la tour, là, les gars. Oh là là, par contre, la Riven qui est prise à partie par deux personnes là-bas en haut. Ça se transforme en scène pornographique. Est-ce que... je crois qu'elle a style le blue. Non, moi bon, pour l'instant, il est toujours concentré sur la baltaine. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui va se passer en top. Et là, il va me transmettre... Seul top, je suis un fou. Je suis un fou. Là, Riven qui est dans la merde. Si la cage, elle passe...
pourquoi t'as flash? La cage ne passe pas. BOOM laser et voilà, la tourelle du mid qui a quand même pris l'interruption à presque 500 gold pour la Lux. La Lux qui a 10-0. Oh mon dieu, à 12-2 pour le Haze. Bon bah ils savent qu'ils focus au moins, hein. C'est vite dit, hein, l'écart de gold qui est quand même toujours à 6K. Hein. Malgré ça, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de kills de part et d'autre, il y a toujours le même écart de gold. Ah oui, vas-y, vas-y. Here we come to save the day. Oh, ça se transforme en gros bordel. Ouais, bordel intégral, vas-y, balance ton ulti. Voilà. Et là, un laser de Lux. Non. Non. Voilà, Lux. Voilà, ça se transforme en gros bordel. Triplé. Triplé de oh là là. Je suis désolé, j'ai rien commenté, mais c'était tellement beau. Triplé de la part du S, comme si... La balade, ouais. Comme s'il en avait besoin. Et bien sûr, très mauvais focus. Bon, il n'y avait pas la Riven aussi. Hein. Bam, très mauvais focus de la part de l'équipe rouge. Pourquoi? Parce que, bah, tout simplement, il y a les deux carry qui restent en face. Donc, bah, oh là là, tellement de dommages. Franchement, ces games-là, je les adore. J'adore ces games. Franchement, je pense que c'est la meilleure game de la soirée. Vous me vendez que du rêve. Je suis en érection la plus totale. Je suis au bord du jouissement. Non, je déconne. On va se calmer quand même, ce n'est qu'un jeu, hein. Je dois remercier qui pour le feed du Haze. Ouais, c'est bon, t'es feed aussi, hein. Donc tu te calmes, jeune pucelle. Nous, mec. Alors, que j'ai pour la game du Darius. Eh oui, mais ça rage un peu, il y a 13 kills d'écart, il y a presque 10k gold d'écart aussi. La violence la plus absolue, toi tu peux. Ah là là. Ah, c'est amical. On est entre postes, de toute façon. On est entre... Franchement, sur cette soirée event, je vous aime, les abonnés. Je vous aime. Vous montrez tellement du beau jeu. Et j'hésiterai pas du tout à en refaire des events tellement ça joue bien. Et si c'est pour voir du beau jeu comme ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour que j'en refasse. Franchement, vous jouez bien. Merci à vous, en tout cas. Hein. Bon! Fini les sentiments, reprenons dans la game. Mais vraiment merci. Bon, vous pouvez regarder, les stuffs sont complètement infâmes, hein, des deux côtés, mais la Lux, quoi, elle a un... La Lux n'a pas de Rabadon. Oh, mais qu'est-ce qui se passera quand elle aura un Rabadon? BOOM! Voilà, il y a un laser un petit peu dans la gueule. Il se fait prendre des coups de sabot dans le cul. Ah, Darius qui arrive quand même finalement à prendre un kill. Bah oui, c'est facile, Darius, de prendre des kills. Quand tu te fais pas focus, allez, le grab au milieu et voilà, doublé de Darius. Voilà, Darius, tu reviens, back in the game. Pourquoi ça lag, bordel? J'ai une baisse de FPS, j'en suis désolé. Mais ça sert à... Vous pouvez très bien voir que ils se sont pris la fessée. 4 kills pour 0 pour les bleus. Ça fait beaucoup de pour. Bon, tu vas te calmer. Pourquoi j'ai une chute de FPS d'un coup, là? Oh. Attendez. Ouais, on reprend. Non, oh, oh. Bah, je suis désolé, ça lag un petit peu. Bah, merde. Ah, oh, non. Pourquoi? Vous verrez, c'est pas fluide et j'aime pas. Enfin, peut-être que ça vous dérange pas, vous, hein. Mais bon, le dry, Nashor qui est fait pour le rouge, et Riven qui a des envies suicidaires, qui arrive quand même à tuer Karim, mais je sais pas si c'était très worth it, hein. Bon. Et là, ils vont back et ça va. Non, je pense pas. Je pense pas. Bon, bref, c'était pas très worth it. Putain, pourquoi c'est pas fluide comme ça? Bah, je suis désolé, j'ai une chute de FPS. Ce sont des choses qui arrivent, hein. Je suis désolé si c'est pas très fluide pour la fin de la game, hein. Je sais pas, il a envie, mon PC. Là. Mais il a... En fait, je dois dire, vu que c'est l'été, qu'il fait déjà chaud dans ma chambre, mon PC, il chauffe. C'est... Oh là là. Donc, je pense que c'est dû à ça. Il chauffe beaucoup, mon PC. Donc, j'en suis désolé si c'est pas très fluide. Je m'excuse. Il y a quand même du beau jeu au rendez-vous, hein. Faut pas déconner. Si ça vous dérange pas, tant mieux pour vous. Bon, on finira comme ça. J'en suis désolé. J'espère que ça va peut-être s'arranger. Non, pas de grab. Dommage. Il y a encore beaucoup de grab, hein, quand même. C'est une grab team, hein. Darius, Thresh, Blitz. C'est le grab sur Thresh. Allez, c'est parti, ça part en gros bordel. Le Thresh qui se fait tuer par le Ezreal. Le Blitzcrank qui tombe finalement sous les coups de Lee Sin. Mais Lee Sin qui tombe sous les coups de sabot de Ekarim. Et vu la puissance. Oh là, le Ezreal qui se fait un doublé. Easy peasy, man in the slide. Le S qui a tellement,
tellement. Oh, il doit avoir des sous, mon coco. À 4000 gold, vas-y, rien à foutre. Je one shot un item, n'importe lequel. Rien à battre, deuxième trinité s'il le faut. Rien à foutre. Là, la luxe et le. Et le S qui vont pouvoir finir d'ailleurs, grâce à ça, c'est bon pouvoir finir. Oh là là, la cache qui passe et le 9 aussi qui passe. Est-ce que ça va suffire? Le grab et voilà, le Clarius qui prend le kill. Et le 13 qui va se faire enchaîner. Oh là là, tellement de dommages et de beaux moves. Et là, là le légendaire de la luxe. Cette partie, qu'est-ce qu'elle fait la luxe? C'est le mongolie. Elle jump dans la fontaine, carrément. Elle voir rien à foutre. Oh là, ce gros bas. Et voilà, ça va se terminer là. Bon, finalement, ça va pas trop laguer. Franchement, GG. C'était une putain de game. Ah, je peux encore ping. Oh lol. Pardon. Donc, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour cette game qui, malgré un stomp relativement grand chez les bleus, a été d'une très belle. Franchement, c'était une... la plus belle game, je pense, de la soirée. Merci à tous d'avoir participé à l'event. Il y en aura d'autres pour ceux qui n'ont pas pu être là. J'en suis désolé. Merci, vraiment merci. Je vous adore. Et moi, je vous dis bye à tous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, bien sûr, tout le blabla habituel. Allez, bye!